Yo Sexy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Fortnite. Mais c'est un pro gamer qui joue actuellement. Donc, ça se peut que je parle pas beaucoup. Donc, si vous connaissez pas Fortnite, vous êtes envoyé sur une île. Tu dois combattre les autres personnes qui débarquent sur la même île. Tu as des personnages. Tu dois trouver des armes pour tuer les autres ou des ressources. Comme du bois, de la pierre. Et voilà. Donc. Il y a du métal, ouais. Donc c'est parti. Ça se peut que vous entendiez Blue 305 qui parle. C'est qu'elle fait une vidéo à côté. Tac. On atterrit sur une maison. Là, on est dans un bunker et on récupère les coffres. Les coffres, ça nous donne des objets et tout. Donc, vous voyez la jauge en bas à droite. C'est nos armes ou nos médicaments pour se soigner quand quelqu'un est là. Là, on vient de récupérer un piège. Donc, le but, c'est de faire un top 1, bien sûr. Top 1, c'est quand tu as tué toutes les personnes qui restent. Donc, là, en bas de la map, vous voyez un petit personnage. Ce personnage représente les personnes qui restent, incluant toi. Donc là, il reste 69 personnes à tuer et 70 incluant nous. On a 0 kill et... C'est ça. Notre vie et notre énergie sont en bas au milieu. On est en train de récupérer une maison avec des guns et tout. C'est normal si vous me voyez bouger. Vous voyez que ça descend assez vite. On est déjà à 62 personnes. Donc, comme vous voyez ici, il reste déjà 54 personnes et on a 0 kill. Donc, voilà. Wow, désolé pour le zoom. Désolée pour cette imperfection. Thank you.
Désolée si vous voyez un peu mes doigts. Et pour aussi tantôt que j'ai bougé avec mes reins, c'est normal. Vous voyez qu'on peut détruire des choses comme le PGM vient de faire. Donc une score, rappelons-le, c'est extrêmement fort. J'ai oublié la score. Une score, c'est un snipe. Non. Donc le score, la score, c'est le meilleur gun de tout le jeu. En plus, c'est une épique, donc c'est extrêmement fort. Mais elle est plus forte que les légendaires. Ouais, je sais. Je peux en avoir un peu. Ah, ça m'a pris la pluie. Hello? Chut, j'étais en vidéo. Donc, vous voyez, là, on est sur un espèce de pont. Et je crois que j'ai vu un mec. Sur en avant sur la colline, je crois. Mais oui, faut qu'on aille dormir. Là, on ramasse des balles. Hop. Donc le but est de faire top 1 et il reste 30 personnes, donc vous voyez ça va assez vite. Sauf que si tu croises une personne, il faut essayer de le tuer avant qu'il te tue. Donc c'est le but. Et le but aussi c'est de finir top 1. L'air du rien. Donc vous voyez que la zone, quand on montre la carte, elle se rétrécit. Là, on peut pas la montrer parce qu'on n'a pas le temps à cause que la zone nous rétrécit dessus. On va manger la zone. Non, vous voyez que quand on est hors de la zone, il y a une tempête. Là, il faut rattraper vite la zone. Hop. Et la carte. Tu peux montrer la carte, s'il te plaît ? Non, pas là. En fait. Je me mets là-bas. Donc, vous voyez que faut tuer les gens assez rapidement, comme on vient de le faire. Je vais pas le déconcentrer. On peut faire des fondations. Là, on est en concentration. Quand on monte la carte, on voit bien que la zone se rétrécit. La zone blanche, c'est celle où on doit aller. Et la zone mauve, c'est celle qui rétrécit dessus. Si tu es hors zone, si tu es dans la zone mauve, dans le fond, à l'intérieur de la zone mauve, tu es dans une tempête. La tempête te fait mourir. On va chercher le loot. S'il n'y a pas été loot. Vous voyez, on peut faire des constructions en briques, en fer. Donc ça fait à peu près 9 minutes qu'on joue, puis vous voyez qu'il reste déjà 19 personnes. Donc franchement, ça va assez vite. Hop là. Essaye de pas crier si tu fais top 2. Donc là, je sais c'est assez bizarre de récupérer un arbre avec une pioche, mais c'est comme ça qu'on fait dans le jeu. Les arbres, ça donne du bois pour faire des fondations, comme on a fait tantôt, pour protéger un loot. Le loot, c'est quand une espèce d'avion te
il largue un espèce de colis qui a un parachute. Et ce colis, il arrive à terre. Et les joueurs doivent aller le récupérer. Mais vous n'êtes pas obligé là. Mais vous pouvez aller le récupérer pour avoir plus de guns. Ou plus de fusils plutôt. Et de ressources. Donc en une minute, vous voyez que... 3 personnes ont été tuées. 3 ou 2. On est en train de récupérer de la pierre. On s'en va. Ça, c'est un sniper. Ça fait 11 minutes qu'on tourne. Donc là, faut aller dans la zone que vous voyez en haut à droite. En haut à gauche, il n'y a rien. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer de voir. C'est ce qui me fout de chier. Pourquoi? Donc là on est mort par un gars qui faisait faisait un campement. Donc il attendait que quelqu'un passe et il nous a snipé. Donc c'est assez dommage. Je m'en excuse. Donc n'hésite pas à lâcher un gros like quand même, à t'abonner, à commenter la vidéo et à t'abonner. Peace.